Pour sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur de l'Algérie, Georges Likens, a livré la liste de joueurs convoqués pour son premier stage en prévision du match contre le Nigeria et comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Pour gardien, Mboli, le 2, Goulam, moi je vais dire le nom de famille, hein. Mendy, Medjani, Beltouraoui, oh, je connais encore, qui était en Tunisie, Kadamouro, Taider, Bentaleb, Kwadjoura, Bodobus, Brahimi, Fedjouli, Kessal, Soudani, Slimani, Mahrez, Unas, une petite blessure, un petit doute, ça en va, hein? Arbaït, Mehdi, et puis je vais le remplir encore avec des autres, il y a encore quelques places à prendre. Le Belge a confié à la presse qu'il est fier d'être revenu, ajoutant que les joueurs sont motivés et qu'ils allaient tout faire pour être efficaces. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour gagner. Et on va perdre d'un match. Je ne suis pas une garantie pour gagner tout le match. C'est impossible. Toutefois, le nouvel entraîneur des Verts a lancé maladroitement « On n'a pas de Messi, mais on a de bons joueurs ». Apparemment, Georges Likens aurait oublié que l'international algérien Riyad Mahrez est tout comme Léo Messi en lice pour le titre de Ballon d'Or 2016.